Action. Bon, je vous fais un petit topo sur le toilette sèche. Bon, je suppose que vous avez pas mal de vidéos sur le sujet. Hein, je suis pas le premier à le faire, je serai pas le dernier. Mais je vais quand même vous montrer. Alors, le toilette sèche, quels sont les avantages? Bah, l'économie d'eau, le fait de ne pas être obligé d'être raccordé au tout à l'égout, et aussi évidemment la fertilisation du jardin avec les matières que nous produisons après avoir cette nourrie. Donc bon, je vais juste vous montrer, pas ma mère quand même, mais je vais vous montrer rapidement notre installation, notre toilette, et nous allons faire la maintenance quotidienne du toilette ensemble. Ne vous inquiétez pas, tout sera censuré, vous ne profiterez pas de nos déjections. Alors voici notre petite toilette. Alors c'est pareil, le toilette sèche, l'avantage, hein, c'est que t'es pas obligé d'acheter de la faïence ou quoi que ce soit. Tu vois, un petit cube d'OSB, un seau en dessous, et puis c'est terminé. Voilà. Bon, j'ai un peu fait le cochon. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc, tu vois, ça, un bac en plastique, comme ça, tac. Voilà, tu vois, de la sueur, un peu de petite toilette, ça va. Je te choque pas trop. Donc, évidemment, il n'y a rien de plus écologique et économe que le toilette sèche. Et évidemment, pour pousser l'écologie jusqu'au bout, on va amener ça au compost avec une brouette thermique. Parce que chez nous, c'est faire la joue. Bordel de merde! Wouhou!